bon dimanche, bonjour, bonjour. Je vous invite à partager. S'il y a une arme que l'ennemi va beaucoup utiliser contre les agents de lumière, ce sera qu'après beaucoup de travail, vous ayez l'impression que vous n'avez pas avancé. Qu'après beaucoup d'efforts, qu'après beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, tu construis la maison, ça tombe. Tu achètes le terrain, tu mets toutes tes économies dessus. Après, tu te rends compte que le terrain n'appartenait pas au vendeur. Ce que je vais dire, ça sera très important pour votre stabilité et surtout pour que vous avanciez. Le spirituel est réel. Et les agents de lumière, les anges de lumière sont attaqués. Les bagarres ou les batailles, là, vous sentez ça dans votre chair. Vous sentez ça dans votre chair. Parfois, tu te rends compte que tu as des changements d'humeur intenses. Tu as des changements d'humeur intenses. Tu ne comprends pas pourquoi. Un agent de lumière, c'est une personne dont la destinée est déjà tracée. Une personne qui a des gens là-dehors qu'il doit aider. Vous devez mettre les likes. Mettez les likes sur la... Tu as des personnes que tu dois aider. Mais, pour commencer, on t'a déposé dans un environnement où personne ne te connaît et toi-même, tu ne te connais pas. Tu es né dans des circonstances déplorables. Maintenant, avant que tu ne commences à te dire, peut-être que j'ai vraiment quelque chose en moi. Tu auras subi beaucoup de rejets, beaucoup d'abandon. Partagez le live, s'il vous plaît. Maintenant, ceux qui me suivent, vous devez prendre l'habitude de liker mes vidéos et de partager mes vidéos. On prend pas le téléphone, on dépose juste là comme ça. Parce que Internet a des algorithmes. Même si je suis la femme la plus puissante du monde, il y a des algorithmes. Ma page ne va pas se partager seule. Vous êtes né avec des choses que vous êtes censé faire. Qu'est-ce que tu veux? Vous n'arrivez plus à faire quoi? Ne va pas déposer sa main là-bas, non. Je vais faire ça après. Bonjour, bonjour. Vous avez des choses que vous êtes censé faire. Au départ, vous ne connaissiez pas. Maintenant, ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il vous donnait de temps en temps des flashs. Des rêves, une intuition.
Tu arrives quelque part, on demande de choisir. Tu veux toujours choisir ce qui est grand. Tu aimes les grosses voitures, tu ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui sont peut-être nés en Afrique, tu as toujours su qu'à un moment, j'irai en Europe. J'irai là-bas de façon constante. Je suis un genre, je vais voyager beaucoup. Il n'y a personne dans ta famille qui a pris l'avion. Mais depuis que tu es petit, tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais que tu es appelé à voyager. Tu es là, tu n'as même pas la nourriture pour manger aujourd'hui. Mais quelque chose dans toi. Tu as grandi dans l'extrême pauvreté. Mais même dans cette pauvreté, il y avait quelque chose au fond de toi qui te faisait savoir que... Bonjour, Reine Nathalie. Je ne sais pas, mais il y a un truc en moi. Je sais que je dois aider les gens. Et quand tu écoutais ça à l'intérieur de toi, personne autour de toi ne te montrait. Je me rappelle toujours la première fois que j'ai vu une femme public speaker, une femme coach. C'était en 2012. J'étais encore toute jeune. Ma copine était passionnée par le coaching. Je ne sais pas où elle est actuellement. Et c'est le genre de fille qu'elle aimait, mais elle ne pratiquait pas, elle ne faisait pas. Moi, le petit argent que j'avais, je faisais. Je reste sans que Dieu veut que je parte dans tel pays. Je me lève, je pars. Donc, je bougeais, je faisais. Et elle se demande, j'attends. Elle avait un tableau de vision qu'elle avait fait sur son mur. Puis elle me dit, est-ce que tu connais le coaching? Je dis, le coaching, c'est quoi? Elle m'amène, je vois cette dame. C'était une blanche. C'était une blanche anglaise. C'était The Coaching Academy. Ils avaient des séances gratuites à Birmingham. La façon dont la femme a parlé. Pour moi, j'étais adulte, c'est vrai, mais je me suis dit, quand elle serait grande, je serais comme la femme-ci. Il y a un truc en moi qui a reconnu le public speaker qui se trouvait dans la dame qui me parlait. Malgré vos attaques, malgré le fait que vous avez grandi, vous étiez toujours la personne la plus défavorisée de la famille. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es même pas marié, tu n'as pas de truc que tu peux montrer à ta famille pour crâner. Tu n'as rien pour te vanter. Mais il y a un truc en toi qui te dit, genre, tu sais que tu sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je serai riche. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'elle ne peut pas mourir dans la situation-ci. Ça, c'est l'esprit qui est en train de vous parler. Je dis bien, les agents de lumière, vous avez quelque chose de censé faire pour aider les gens. Ça vous parle déjà depuis longtemps. Bonjour Marie-Emma. Même dans les rêves. Oh, je me vois guérir les gens. Je parlais, les gens dans le rêve, ils se sont levés pour m'écouter. C'est comme si tu as ce don de prémonition. C'est pour ça que vous devez faire attention quand les gens prophétisent sur votre vie. On doit toujours prophétiser ce que l'Esprit t'a même déjà montré. Merci à tous ceux qui ont partagé mes directs. Quand vous arrivez sur mon direct, partagez mon direct et likez mon direct. Et assurez-vous d'être abonné à ma page. On partage, on like et on s'abonne. Et on dit bonjour. Donc bonjour à ceux qui m'ont dit bonjour. Première fois que je rencontre coach William Jamin, je ne faisais pas encore dans le coaching. J'avais 23 ans, 22 ans et quelques mois. Je venais d'accoucher, ma fille avait 7 mois. Ça fait au moins 14 ans. Hein. Et lui, il était avec sa femme.
On l'a rencontré chez un ami commun. Bonjour Rose, merci. Lui, ça faisait déjà au moins 4 ou 5 ans qu'il faisait les vidéos. Il parlait de potentiel. Moi, je ne connaissais pas encore ce que c'est que le potentiel. 5 ans plus tard, voire même 8, je suis en France, ma fille a 7 ans. Ça m'a déjà appris. Parce que la première fois qu'on se rencontre, il ne me parle pas de coaching, rien. Bonjour Billy, Véronique bonjour, Jeanne bonjour, Dorcas bonjour, Christelle bonjour, Yasmina bonjour. Cédric Tailleux, merci d'avoir partagé. À ce moment, j'avais tellement échoué. Tellement échoué. C'est pour ça que je vous ai parlé de s'il faut que je recommence. Les échecs sont là pour te calibrer. S'il me parlait de coaching quand j'avais 22 ans, j'étais entre mon premier amour, on venait d'avoir notre enfant, on avait nos projets. Moi, j'étais encore dans les vapes, j'étais encore dans les... Diamond, merci d'avoir partagé, bonjour. Aweta, merci de partager. S'il m'en parlait à 22 ans, j'allais dire que pardon. Il fallait que je me retrouve à Facebook, j'espère que vous m'entendez. C'est à 30 ans que ça a commencé à résonner dans mon esprit. Et entre 22 et 30 ans, le nombre de fois où j'ai échoué. Au départ, tu rencontres des gens qui sont comme des contrefaçons. Quitte avant de te décrire. Ils sont comme des contrefaçons. Bonjour, Mrs. Snow. Oh, tu as le potentiel. Oui, moi aussi je suis appelée. Hein. Je suis une appelée comme toi. On peut sortir ensemble, non? On prie ensemble. On fait les vidéos ensemble. Tu as déjà commencé à faire les vidéos? Eta, bonjour. Tu as déjà commencé à faire les vidéos? Tu es déjà même à 200, 300 abonnés ou 1000 abonnés. Tu rencontres quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéos. Mais tu l'aimes, il te dit, bon, mettons-nous ensemble, on fait. Ne tente même pas. Mamie, ne le fais pas. Déjà, il te faut de l'effort pour te pousser que va faire la vidéo. Maintenant, si tu dois encore porter quelqu'un d'autre pour mettre sur ton dos, Honorine, bonjour. Si vous venez d'arriver dans le direct, partagez le direct, likez le direct, abonnez-vous sur ma page et vous me dites bonjour. Joseph, bonjour. Il faut beaucoup d'énergie. Oui, non, attends, on fait d'abord l'amour, non. Quand on finit de faire l'amour, après, tu auras l'inspiration. On va bien faire une fois, non. Le mot une fois, là, fuyez ça. Que laisse-on faire après une fois, non. Parce que quand on dit une fois, on va toujours faire ce qui est le plus facile. Dame, bonjour. Bonjour, Issan. Bonjour, bonjour. Emmanuel, bonjour. Que laisse-on faire une fois. Le mot une fois, là. Quand tu mets une fois avant de faire quelque chose, sache que ce que tu peux faire là n'est pas bien pour toi. Te voilà. Bon, oui, laissons. Après, non. Le mot après aussi.
Vous avez à partager le live. Et vous avez liké. Voilà, sors, sors là-bas, sors. Voilà. Maintenant, vous devez comprendre que à l'intérieur de vous, il y a comme une boussole. Et votre intuition est couverte par la compagnie que vous avez. Les gens que vous gardez autour de vous. Viens, on fait ensemble, non? Faisons une fois. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous. Parce qu'ils ont besoin de l'argent que vous avez. Soit ils ont besoin du confort financier, soit ils ont besoin du confort même. Et il y en a parmi vous, votre mental est très fort. Hein. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu es quelqu'un de très positif. Il sort avec toi parce que tu vas toujours donner les idées. Tu vas toujours donner les idées par rapport à son business. Quand tu es arrivé de moi, oui, super. Parce que tu vas toujours lui donner les idées. Il sait que s'il vient avec un problème, il est découragé. Tu vas l'encourager. Que non, 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 ça va aller, laisse. Ne te dérange pas. Énergétiquement, vous savez ce que c'est que d'écouter les problèmes de quelqu'un. Le fait de t'asseoir, oh, vraiment, il y a TDA, il m'embête, oh. Il dit que non, ne te dérange pas, ça va aller, essaie encore. Ça, déjà, c'est un travail. Marie-Élise, bonjour. C'est un gros travail comme ça. Donc, il y a des gens qui sont à côté de vous. Parce qu'ils savent que la fille, si, ne peut pas échouer. Souvent, tu rencontres quelqu'un. Il est habitué à avoir les habits sales. Il est habitué que s'il n'achète pas son parfum, il n'achète pas son odorant. Donc, le petit truc comme ça. Il se lève le matin, il pense pas ce qu'il va manger. C'est à 14h qu'il dit, oh, je vais manger quoi. C'est comme ça que tu le rencontres, tu mets de l'ordre dans sa vie. Le voilà, il est en paix. Il a mis les boutons sur le visage, il ne presse pas ses boutons. Tu le prends, tu dis, mais tu achètes une huile, tu achètes la crème, tu dis, mais va, nettoie ton visage, fais les soins de corps, fais les ceci. Mamie, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Il y a même des hommes qui veulent forcer pour faire l'enfant avec vous parce qu'ils savent qu'il n'aura jamais un souci pour l'enfant. Ça, c'est des paresseux. Donc, avant de te laisser berner, comme vous, il m'aime. Non, chérie, il sait qu'il fait les enfants, il laisse chez toi. Tu vas te casser pour voir ce qu'ils vont manger. Tu vas te casser pour voir ce que les enfants vont boire. Tu vas te casser pour tout, c'est toi. Ça demande de l'énergie. Et beaucoup d'entre vous, vous n'arrivez pas à écouter. Parce que toute votre matière énergétique part pour parler à l'autre personne. Tu vois, il ne fait pas l'effort. Il ne fait pas l'effort. Devenez égoïste avec votre énergie. Parce que pour écouter déjà ce que l'esprit te dit, et il y a des ruptures que c'est une bénédiction pour toi. Vous savez ce que ça demande comme énergie pour avoir une habitude constante. Je me lève à telle heure. Je fais comme ça.
Même les habitudes alimentaires. Il y a des gens qui sont en train de manger des trucs huileux, gras, gluants. Quand ils mangent après la glaise, sur lui, ça le ralentit. Ça le fait dormir. Toi, tu te réveilles à 5 heures tous les jours. Tac. Tu bois le thé tout le temps. Tu le rencontres. Il dépose d'abord son sperme dans ton corps. Donc le sperme gluant là, ça vient t'alourdir le corps. La glaise n'est pas bien dans le corps. C'est la paresse. La glaise, c'est la paresse. C'est pour ça que les gens qui ont tous les flashs là, barrez-les. Barrez vos gars qui ont tous les flashs là. Il aime toujours boire le jus. Il aime boire le jus. Ça lui donne une source de boue, d'énergie. Ce que je vous dis là, hein, ce sont les petites choses qui font que la personne se couche. Ah, allez, je vais me réveiller la nuit pour faire. 3 heures, tu es debout. L'esprit te dit, réveille-toi. Tu te réveilles. Tu écris. Tu peux te réveiller à 3 heures, tu fais 30 minutes debout. Tu écris tes instructions. Tu écris. Voilà, tu ne fais même plus ta routine de prière. C'est le sperme de la personne dans ton corps, mamie. Tu te réveilles, tu écris que je dois faire ça, ça, ça. J'ai telle instruction. Oui, je dois bouger comme ça. On doit aller à tel endroit. Beaucoup de vos confusions, c'est parce que vous écoutez. Vous n'écoutez pas l'esprit. Ton énergie doit être bonne parce que beaucoup de tes combats se font dans le sommeil. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes trop... tu es tellement lourde. Bah, tu as mangé, tu manges le haricot avec plein d'huile sur ça. Tu rôtes toute la nuit. Ça te chauffe. On va te taper dans le sommeil, mamie. Tu vas faire des cauchemars la nuit là. Observez-vous bien. Et vous t'envoyez manger la viande. La viande. Tu manges la viande, ça te fait... Tu te sens mal la nuit là. La viande rouge. Lord Uri, tu es venu. Hein? C'est comme ça. Il dit, mangeons la viande. Tu prends la viande. Après, il boit le jus. Il fait... Bonjour, Asita. Sweet, bonjour. Après, il se couche, il veut faire l'amour. C'est la prochaine chose qu'il voudra faire l'amour. Tu as les vidéos que tu voulais faire. Tu devais regarder le fournisseur en route par rapport à tel produit que tu veux vendre. Tu ne peux plus regarder. On a tous connu ce genre de gars. Ce n'est pas parce que la personne a l'argent. Tu manges à 23 heures comme lui. Ça bloque tous tes vaisseaux. Mamie, tu parles ça. C'est ça que tu parles petit comme ça. Oh. Parce qu'il n'a pas pu réfléchir qu'il pouvait chercher quelque chose dans la journée. Tu peux être avec un homme lui-même chercher ce que vous allez manger, non? Tu peux être occupé, tu finis un truc à 21h30. C'est à l'heure là où tu vas venir réfléchir qu'on va manger quoi sur lui. Libre choix, bonjour. L'ange de cœur, bonjour. Flora, bonjour. Marie, Élise, bonjour. J'ai bien dit, quand vous arrivez sur la page, vous likez, vous vous abonnez et vous partagez. Et vous me dites bonjour. Même si vous m'avez dit bonjour, dites-moi bonjour encore. Oui. Il faut beaucoup de commentaires dans la vidéo. Ça favorise l'algorithme de Facebook et de TikTok. Et pour TikTok, vous tapotez. Après un moment, tu restes comme ça, là, ton esprit se bat dans la nuit. Tu te réveilles un matin comme ça à 6h, tu dis que non. Bonjour, Queen Coco. Non. Je dois arrêter avec le gars, c'est. Je dois arrêter. Je dois arrêter. Tu sens dans ton corps. Tous les agents que tu attendais à la période là, on ne te donne pas. Parce que ta vibration est descendue. Bonjour Larry. Et tu restes, tu es de mauvaise humeur. Quand tu manges mal, ça te met de mauvaise humeur.
Quand tu es de mauvaise humeur, tu n'attires pas l'argent. Et tu peux pas avoir d'inspiration. Donc, quand tu te retrouves, tu as un échec. Une fois de plus. Assois-toi, tu vois d'abord qu'est-ce qui t'a conduit à l'échec avec cette personne. Et la vie d'entrepreneur. Bonjour, Sweet Kim. La vie d'entrepreneur, c'est un choix. Si on met ton business ou ta page que tu viens de commencer, on met ta relation. Tu dois savoir choisir. Tu dois savoir souvent choisir. Oh, si tu fais comme ça, tu vas épouser. Quel homme va t'épouser? Ne te dérange pas pour ton mariage, ma chérie. Tu as vu à la banque, on donne l'argent avec le mariage. On fait le monument. Cette statuette a été érigée parce que Marima Ngeko s'est mariée. Quel exploit! Waouh, elle s'est mariée. Waouh! Se marier, c'est l'espoir. Par contre, tu pourras entendre, cette statuette a été érigée en l'honneur de telle personne qui a aidé les femmes battues. Elle a créé une association qui a sauvé les prisonniers, les aider à se réinsérer dans la société. Ce n'est pas un espoir de se marier. Il faut arrêter qu'on fasse le chantage avec ça. Tu dois pouvoir détecter qu'est-ce qui fait. Et tous les échecs que vous avez, ce sont vos tests. C'était parmi vous, vous êtes retrouvé avec deux enfants. Ça vous a coûté 5 ans. Le temps que les enfants grandissent un peu. Parce que quand tu as rencontré le père qui t'a quitté aujourd'hui, qui est devenu ton décepticon numéro 1, l'esprit t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu es encore faible. Je veux l'enfant, je veux un enfant de toi. Je veux un enfant de toi. Te voilà. Je vais tomber enceinte. Je veux l'enfant. Je veux l'enfant, hein. On s'aime. Vous aimez le maïs? Hein? Ou vous aimez le haricot? BFM, Mas, je vais bien. Amber, bonjour. Marima, bonjour. Mathie, bonjour. Si vous venez d'arriver, dites-moi bonjour. Donc voilà, ça t'a coûté 5 ans. Le truc aussi, c'est que la mission de vie là, hein, ça peut aller attendre quelque part. Hein. Ta mission peut aller s'asseoir, ça t'attend. Que faire le grand amour avec le gars-ci. Fais les enfants. 8 ans plus tard, ça revient. Tu dis, mais je sais pourquoi, mais je sens les derniers jours là qu'il faut que je commence ma page où j'encourage les femmes. Tu devais faire ça depuis. C'était depuis que tu as 22 ans que tu devais faire. Vous aimez les bébés, s'aimer. Vous allez lire, vous allez boire l'eau. Oh, ti bonjour. Pourquoi tu n'as pas contacté mon équipe? Tu as dit que tu veux travailler avec moi non? À Brazzaville, non? Valérie, bonjour. Linda, Sonia, bonjour. Ivana. Ça va t'attendre. BM, bonjour. Tu te sens touché? Tu dis que c'est à toi que je parle. Ça t'a coûté 10 ans, non? Voilà, 10 ans et 2 ans. Voilà, la richesse d'une femme, ce sont ses enfants. La richesse d'une femme, ce sont ses enfants. Vous savez ce que c'est que d'avoir un enfant, tu ne peux pas payer son lait? Parce que le père t'a abandonné. Hein? Lalé, bonjour. BM, ne me salue pas comme ça. Que j'ai dit bonjour, vous ne répondez pas. Ne me salue plus. Si tu vas me saluer comme ça, tu laisses. Tu peux me dire bonjour, non? Que j'ai dit bonjour, vous ne répondez pas. Ne me salue plus. Jessie, bonjour. Ah. Jenali, bonjour. Celles ici là qui ont déjà accouché quand elles n'avaient pas l'argent et qui ont accouché quand elles avaient l'argent, vous voyez la différence. Même dans la grossesse, tu commences à avoir les sueurs froides. Parce que tu te dis,
je vais faire comment pour payer telle chose pour cet enfant. Si j'arrive, on dit, il faut faire la césarienne. Je vais prendre le cabra. Je vais prendre l'argent où? Tu vois parfois les femmes enceintes comme ça, elles sont là, elles sont maigres comme ça. C'est parce qu'elles n'ont pas l'argent pour manger. Ce n'est pas qu'elles ont la nausée. Et qu'elles recapent. Parce qu'elles n'ont pas l'argent. Quand l'enfant fait les manières dans le ventre, elles demandent que calme-toi. T'appelles, tu sais ta rivale comment? Tu discutes quoi avec elle? Tu discutes quoi avec elle? L'homme, c'est ta vie. Hein? L'homme, c'est ta vie. Tu as dit que c'est ta rivale. C'est pour toi, c'est comme si ta vie est finie. Parfois, quand tu découvres que l'homme te trompe, change le scénario dans ta tête. Écoute, je sais, une femme lumière qui m'écoute, si tu as un homme que tu es dans sa vie, tu es un atout pour l'homme là. Sors de sa vie, tu vas voir. Parfois, reste, tu prends le papier, tu le traces. Que depuis que je suis avec l'homme, il m'a apporté quoi? Je lui ai apporté quoi? Arrêtez vos conneries là, vos bêtises là. Tu es stérile et puis quoi? On part chercher l'argent à la banque avec l'enfant. Bonjour BM. On cherche l'argent à la banque avec l'enfant. Bonjour, j'ai un enfant de 10 ans. Oui. Allez, mesurez-le. Oui, il a 1m12. Waouh, ça fait 5 millions, madame. Arrêtez vos bêtises là. Hein. On a volé mon enfant. Yeah, je ne peux pas recevoir mon paiement mensuel à la banque. Je n'ai pas l'enfant physique pour aller présenter. Vous avez des fausses préoccupations, mais. Vous allez foutre dans votre tête. Votre tête, lavez votre cerveau. Mets ton cerveau dans la machine là. Tu presses sur le lavage à chaud là. Au ton 90 degrés. Ça va stériliser ton cerveau là. Coton 90 degrés. Une mélodie de Javel sur ça. Beaucoup d'entre vous, tu avais un homme comme ça là, tu as tout apporté dans la vie de l'homme. Et les hommes qui s'amusent même pour aller tromper leur femme là, c'est tous les nzoyous, les femmes. Les tentamas comme ça. Tu es arrivé, tu as tout fait dans sa vie. Tu pleures quoi? Sors de sa vie, tu verras. De la même façon que tu as donné le CV, il a trouvé le boulot, il touche 200 000. L'année, si tu devais encore donner le boulot, il allait toucher 500 000. Laisse-le, tu vas voir. Oh, ma rivale. N'est-ce pas? Souvent, tu rencontres un homme comme ça, tout ce qu'il a, c'est son beau corps. Il n'a rien à la tête. Tu le prends, tu le laves. Et il vient un peu faire un peu genre ça. Tant que tu le reconseilles, que regarde. Mais cherche le boulot, non? Tout ce qu'il t'a donné, c'est l'amour. L'amour, tu parles à la banque, retiens l'argent avec l'amour. Souvent, vous m'énervez jusqu'à. Souvent, quand il fait le direct, ils sont comme ça, ils sentent que les nerfs montent dans mon corps. Mais ils sont bêtes que comment? Même si tu rencontres un homme qui a un peu d'argent, tu peux arriver dans la vie d'un homme. Tu vis dans ta. Peut-être tu as Douala, lui il est en Europe. Il a les fausses maladies sur son corps. J'ai une de mes filles comme ça, elle m'a dit qu'elle a rencontré son Joe. Il avait les dos jusqu'à. Il avait sorti un immeuble comme ça dans une ville du Cameroun. Dès qu'il se rencontre ça, la première semaine, elle remarque qu'il a une maladie quand il dort. Elle le laisse. Je m'occupe de ça. Il avait à dépenser l'argent sur ça jusqu'à. Elle prend le jeûne, prière. Faya. Il reste sa maladie finie. Est-ce qu'il a même d'abord dit que c'est parce qu'elle a prié pour lui? Est-ce qu'il a même d'abord dit ça? Est-ce qu'il a dit? Elle a laissé non. Ils se sont séparés. Mof. Les bas accidents. Oh. Les bas ont la graisse. Oh. La maladie me revient. Oh Seigneur. Vous ne vous connaissez pas.
La maladie revient dans le corps du gars. Ouais, prie pour moi encore. Ouais, tu avais. Eh, pardon. Eh, pardon. Si tu avais la voix, que c'était pas moi, non. N'est-ce pas? Bonne maladie. Bonne vie. Souvent, tu restes comme ça, là, quelqu'un. Il ne peut même pas te donner 200 000. Hein. Il va aller se faire escroquer 10 millions. Tu lui donnes deux conseils que non, j'ai une. Ton ami, c'est la meilleure, donne pas encore l'argent maintenant. Réfléchis d'abord. Est-ce qu'il va reconnaître que tu l'as permis d'éviter? Après, il se rend compte que son ami là devait prendre l'argent là. Il a escroqué dans le groupe où ils étaient, pardon. Cinq personnes ont donné l'argent. Il a pris l'argent des cinq là, ils sont partis avec. Mais toi, tu as conseillé, il n'a pas donné son argent. Le jour où il doit venir même te donner une bière, il te jette même 300 000 sur toi comme ça, dit que tu m'as économisé 10 millions. Non. On vous a simplifié. Simplifié. Vous-même, vous vous êtes simplifié. Maintenant, tu lui dis que papa, l'énergie que j'ai dépensée là, pour prier pour que tes maçons ne te volent pas sur le chantier, pour prier pour que tu trouves la bonne marchandise, pour prier pour que les clients viennent dans ton cabinet, je vais mettre ça sur moi. Priez pour vous. Pas du non. Priez pour vous. J'avais un monsieur avec lequel je sortais une fois là. Donc, sinon, on m'avait attaché même 10 ans. Que faire lorsqu'on se sent perdu? Ce direct, ce n'est pas pour les gens qui se sentent perdus. Donc, je ne peux pas t'aider. L'homme l'a absorbé tellement mon énergie. Il y en a parmi vous que seulement le fait que quelqu'un te dit bonjour, tu dis bonjour. Seulement ton bonjour le bénit. Mais vous ne savez pas. Il reste, ouais, je vais t'appeler, le soir il t'appelle, il veut que la vidéo. L'appel vidéo bouffe l'énergie. L'appel vidéo suce l'énergie. Parce que quand tu prends l'appareil, il y a un échange d'énergie direct. Toute l'énergie qu'il a pris au bureau le matin, là, dans la journée, dès que tu lances un coup d'œil sur lui comme ça, là, bam, il reçoit. L'autre jour, j'ai eu une révélation même sur un truc. J'ai voyagé et j'avais un début de palud. Tu vois souvent quand tu restes ton corps fait un jardin. Ton partenaire dit que tu chasses notre propre en brûlant la chose chaque jour à la maison. Oui. J'avais un début de maladie comme ça. Je me sentais bizarre. La nuit, ça n'allait pas le matin. La bouche commençait à faire un jardin. Quelque chose me dit, il te faut la Guinness. Il est parti, on voit un commandant là au groupement. J'arrive au groupement, je prends la Guinness. Je m'assois. J'ai pris deux gorgeaux. Prut, prut. J'ai un de mes petits là qui passe. Il dit, je veux ta bière. Donc il goûte. Je vous assure, il a pris une gorgée. Cinq minutes plus tard, il était malade. Cinq minutes plus tard, j'allais mieux. Le transfert d'énergie est réel. C'est payant de te parler en vidéo et c'est vrai. Celui qui pense que tu te crois trop, qui part avec ses blocages et toi-même tu pars avec ton énergie. Ce n'est pas un blasphème si tu crois que tu portes une énergie puissante. Avant je postais beaucoup mon quotidien sur mes statuts, je ne postais même plus. C'est un honneur pour vous de voir ce que je fais dans mon quotidien. Tu ne veux pas que tu laisses. Souvent on me dit que ouais, pourquoi tu ne fais pas comme les autres personnes qui montrent leur quotidien. C'est un honneur pour vous de voir ce que je fais. Parce que vous portez trop de puissance. Et ces hommes la connaissent. Je ne sais pas pourquoi j'aime lui parler. Il t'invite pour la nourriture de 10 000. La nourriture de 10 000. Tu pars, tu passes 3 heures de temps avec quelqu'un, tu lui donnes l'énergie qui va lui donner 5 millions. Pour le poisson brisé de 10 000. Je vais te gifler. Go, ma fétonne. Tu veux le jus? Oh. Je n'aime pas qu'on touche mes choses. Je n'aime pas qu'on touche. Je dis que si tu es capable de venir, tu dis ma chose, je jette.
Ma chose reste chez toi que j'ai oublié. Dès que tu m'envoies ça là, je n'utilise plus. Les environnements ont l'énergie. Souvent, elle reste comme ça là. Je vois un endroit dans mon corps, dans mon esprit, qu'elle veut partir là-bas. Je dépense. Je prends l'avion ou je prends la voiture. Je dois partir. I must go there. Quand j'arrive, elle voit comment mon corps se calme. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous, vous ne vous écoutez pas. Et ta puissance commence à monter quand tu t'écoutes plus. Et tu te choisis. Angelina, pose ta question. Écrivez cela, je me choisis. Est-ce que vous savez que même par rapport à vos enfants, souvent tu prends l'enfant de quelqu'un chez toi, l'enfant de ta soeur. Est-ce que vous savez que ça demande l'énergie pour redresser l'enfant là? Est-ce que vous savez ça? Aurélien, bonjour. Tu prends l'enfant, tu lis son énergie. Tu lis son énergie que net, net. Insolence, paresse, saleté. Tu ressens de l'amour pour moi. Oh, merci, je te remets, je te renvoie cet amour multiplié. Merci pour le cadeau, Yolish. Voilà, même les babouches. Je me dis, pourquoi vous portez mes choses? Pourquoi? Va à la boutique, achète des sandales de 500, tu portes. Pourquoi tu veux porter mes chaussures? Même le drap, se coucher alors dans mon lit. Ça demande beaucoup d'énergie pour élever tes propres enfants. Maintenant, tu vas encore essayer de redresser l'enfant de l'autre. Choisissez vos combats. Choisissez vos combats. Parce que quand tu vas parler, l'autre va croire que tu es méchant. Alors, tu as vu la porte par laquelle cet esprit-là peut accéder à son enfant. Ne donne plus ça à l'enfant. Ne permets plus qu'il soit debout tard la nuit. Ne permets plus. Non, la personne commence à dire, elle se prend pour qui? Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Partagez mon direct et vous likez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez et likez. J'aime beaucoup ma nouvelle page parce que mon audience est vraiment engagée. Vous regardez les vidéos fidèlement, constamment. Tu m'as fait du riz. Tu m'as préparé le riz. Aïe. Est-ce qu'on devrait avoir peur des sorts? Je n'aime même pas le mot peur d'abord. Tu as compris? Doudou, merci. Votre problème est, c'est que vous laissez trop vos idées se balader. Harness your thoughts. Contrôlez vos idées. Quand tu viens, tu commences à me dire, il y avait un gars, une femme dans mon quartier comme ça là. Elle aimait trop. Tu me dis qu'elle aimait, elle aimait pisser au lit. Ça va m'apporter quoi? Oh, Hakabum. Tu me racontes ça pourquoi? Il n'aime pas les fausses histoires. Pour moi, quand je suis assis à raconter les paraboles, tout ce que Jésus racontait avait un sens. Tout ce que Jésus racontait, à la fin, quand il finit, tu peux rester comme ça, tu dis. Pas vos faux trucs là, qu'il y avait un baba dans mon quartier. Hein, quand il fumait la drogue, il faisait. Ça m'apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Pourquoi tu veux mettre dans le babana dans mon histoire, dans mon énergie, dans mon esprit? Hein? Elle dit une semaine sans ton direct, mon énergie chute. C'est parce que tu es dans la vibration. Si vous pensez que faire le direct c'est facile, faites le direct sur votre page, vous me dites. Faites le direct, vous me dites.
Vous allez suivre. Maintenant, vous devez comprendre. Je vous donne ces petites choses, les petits, petits détails-là. Parce que c'est ça qui vous vide. Tu te réveilles le matin, tu as un voisin qui crie beaucoup la nuit. Tu as un voisin qui, dimanche, comme ça, il met la musique, il met le volume jusqu'à. Tu vas te concentrer le matin. Lui, ça va te coûter 10% en plus ou 20% dans le loyer. Déménage, tu pars dans un autre endroit. Iris, quand tu ne m'écoutes pas pendant une semaine, ton agent chute. Non, c'est bien. Comme tu as compris, ça c'est bon. Il y en a ici là que vous. Votre, je vous ai dit que là, si vous venez tomber sur ma page, décidez-vous que chaque jour, tu prends 500, tu charges le téléphone. Seulement pour écouter mes vidéos. Fais ça pendant 30 jours. Si ton agent n'augmente pas, désabonne-toi. Tu m'écris même, tu me prouves que tu avais payé, tu rembourses ton argent. Monsieur te flatte que tu prennes ces deux enfants qu'il a fait hors mariage. Et tu ne veux pas. Don't try for mistake. Don't try Naomi. Si tu vas me voir dans ton rêve, je vais te gifler. I go slap you. Oui. Pour protéger ton énergie, tu dois d'abord être consciente. Parce que tout ce que je vous cite là, hein, quand tu fais, ça te vide. Tu sens, il y a quelque chose en toi qui te dit qu'arrête. Souvent, tu te lèves le matin, tu dis que je vais déménager du quartier ici. Je vais partir de la ville ici. Non, j'ai ma mère ici, là. Ouais, je vais laisser mon fils. Je vais laisser ma fille. Ouais, je vais partir d'ici. J'ai grandi dans le quartier ici, non. Je connais tout le monde ici, non. Voilà comment tu... You're dimming your light. Tu es en train de te... you're talking yourself out of it. Tu es en train de parler pour sortir toi-même de la décision qui t'aurait aidé. Je ne parle pas de rituel de mariage, Angelina. C'est un traitement que je fais. Si tu veux, tu payes. Le rituel de mariage, 30 000. Voilà. Tu payes. Là, je ne vais pas réparer ça ici. Ces choses, hein, l'esprit vous parle déjà. Il y a même les autres qui m'écrit. Je ne veux même pas lire. Je ne veux pas lire. Mais ce que je lis, ça va commencer. Je vais vouloir réfléchir pour ça. Oh, actuellement, mon énergie doit être concentrée ici. Détectez vos choses et on va vous dire que vous êtes trop, vous n'êtes pas trop exigeant. Vous n'êtes pas trop exigeant. Il y a deux options si tu es en couple. Soit lui ou elle va te suivre et monter, soit vous allez vous séparer. C'est clair. Attendez, je vais changer un peu la connexion ici là pour voir si ça va prendre. TikTok, ça va mieux, ça bug encore. J'ai changé la connexion. Est-ce que ça va mieux sur TikTok? J'ai dit aux gens de TikTok d'aller s'abonner sur YouTube. Ils ne partent pas s'abonner. Il faut les laisser comme ça d'abord. Vous savez que je suis en train de mettre les trucs sur pied. Les vidéos, les directs maintenant seront faits. Je vais restreindre ma communauté. Une fois par semaine, je fais le direct sur la page. Et tous les autres jours, quand vous voulez vous parler en direct, ce sera ceux qui auront payé l'abonnement mensuel. Vous ne payez pas, vous laissez. Je suis en train de filtrer ma communauté à fond. Par exemple, c'est que tu l'enseignes. Je connais ça, je connais ça. Tu ne fais pas pourquoi. Je connais, je connais. J'ai horreur du mot, je connais. Le mot, je connais, ça m'énerve. Même si tu connais, la répétition ne te tuera pas. Beaucoup d'entre vous, vous connaissez, mais vous ne pratiquez pas ce que vous connaissez. De rien, Angelina. C'est pour ça que depuis là, ils ne peuvent pas monter pour parler des choses sérieuses avec vous. On ne peut pas parler On ne peut pas parler de la viande spirituelle avec vous. Parce que vous êtes encore bloqué dans le niveau du lait.
du lait nido. Oui. Le nom du lait des bébés, c'est quoi? La Rose Aimée, bonjour. Comment tu vas? Quand je lis ton message, ça me plaît. Aupungaga. Aungaka. Je sens ton énergie dans le direct. Oh. Tu as la douceur sur toi ce matin jusqu'à. Voilà, le blé d'ilet. Vous êtes encore au niveau du Ségrelac. Le blé d'ilet, le bigos. On va vous donner le poulet. Le poulet du village. C'est que quand tu prépares là, tu ne prépares pas bien, c'est dur. On ne peut pas vous donner. Tu es encore dans le gigos. On doit même secouer. On doit tenir pour mettre dans ta bouche. J'étais en train de filtrer ma communauté jusqu'à ça me plaît. Vous avez une certaine fausse question que qu'elle lit même, ça m'irrite pour rien. Alors que ça n'aurait même pas dû entrer dans mon esprit. Vos questions n'auraient pas dû entrer dans ma tête. Voilà, les Aptamil là. Christelle, on t'a dit que je dois être ton guide spirituel. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu es convaincu que ce que l'esprit te transmet. J'aurai un groupe de personnes où je ferai. Quand j'ai bien dit, il faut que tu demandes pour l'abonnement de ces personnes là. Donc, les personnes qui feront, je ferai beaucoup d'enseignements. On fera beaucoup, ça, beaucoup d'aspects. Donc, on va vous former sur la finance, la discipline, la spiritualité, l'entrepreneuriat. Je suis en train de préparer des enseignements, mais j'aimerais, ce sera beaucoup plus avec les interactions. Et si tu dis que je suis ton guide spirituel, j'espère que tu payes ta dîme chez moi. Il y a des choses claires que quand tu as détecté ta personne, que c'est telle personne, c'est que si tu veux faire une chose, tu te diriges vers là. Maintenant, le problème que j'ai souvent avec vous, c'est que vous faites les clignotants. Et je ne fais plus moi les clignotants. Mais ta vie est tu pars. Ça ne me dérange pas. Pas clignoter ailleurs. Certaines personnes peuvent clignoter pendant un an. Certaines personnes peuvent clignoter 6 ans. Et c'est pour ça que sur mon ancienne page, j'avais des personnes que tu tombes dans le direct, la personne dit que je suis abonné à toi depuis 5 ans. Tu n'as jamais rien fait de tout ce que j'enseigne. Bêta, tu pars. Bêta, tu pars. Parce que vous êtes. Je vais maintenant, dans cette phase de mon ministère, je m'occupe de l'équilibre parfait. L'équilibre complet des choisis. Votre équilibre parfait. Il y a ce qu'on appelle la roue de la vie. Oui. Allez chercher la roue de la vie. La roue de la vie parle de l'aspect santé, physique, finance, amour, famille, vie sociale, accomplissement. Le dernier, c'est quoi? Donc, c'est un cercle qu'on a divisé en 8 cases. Et dans chaque case, on te demande de noter de 0 à 10. Où est-ce que tu en es par rapport à cet aspect de ta vie? Première fois que je remplis cette roue de la vie, c'est en 2021. J'avais pris mes économies pour payer un coach. J'ai donné 350 000. On a fait seulement 2 séances. Six mois plus tard, j'avais déjà accompli tout ce que j'avais mis comme objectif sur cette liste-là. Je me rappelle à l'époque, en 2021, l'aspect finance, j'avais écrit comme objectif que à cette époque-là, mes économies ne pouvaient pas dépasser 200 000 par mois ou 300 000. Donc, j'avais jamais eu 1 million dans ma main comme ça en une fois. 2020, jusqu'à 2021, il y a cela 3 ans. Je n'avais jamais touché 1 million en une fois. Tu connais le genre de finances que tu as, non? Tu peux regarder en 6 mois que tu as donné 4 millions à quelqu'un. Mais les 4 millions, c'était toujours en mini, 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 oh, mini, mini. Oui, tu donnes un petit 500 000, 300 000, 400 000, 100 000, 700 000. Mais jamais, tu n'as pas. Donc, jusqu'en 2021, je n'avais pas encore eu 1 million en main. Ou bien dans mon compte. Et quand mes comptes Orange Money et tout ça, quand j'ai passé le niveau spirituel des 1 million, dans la même bureau, bonjour Ariane, comment tu vas? Comment va le bébé? Et t'as moi plein de visites. Là, c'est ma côté de l'université. On a séché les cours à l'amphi. L'amphi 1000 de Mouekele ensemble. Donc,
Je n'avais pas encore eu, donc je pouvais rester. On s'est dit que voilà, j'ai fait telle chose, j'ai acheté telle chose à 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais en une fois, porter l'argent comme ça en une fois, non. Et quand j'ai passé le seuil des 1 million, je me rappelle, je me suis revenu une nuit à 2 heures. Et ça, c'est vraiment le poulailler, tu connais, je crois que tu as été là-bas. Le monsieur que je suivais à l'époque, le guide spirituel que j'avais à l'époque, je le suivais en ligne comme ça, comme vous me suivez là. Je me rappelle la période, la veille, j'avais suivi une de ses vidéos. J'ai senti ma vibration monter le soir là. J'ai donc, quand elle dort, je sentais, dans le sommeil, je sentais, moi, je me suis réveillée. J'ai vu que mon compte Orange et MTN avaient dépassé le seuil de 1 million. Je vous assure, je n'avais jamais eu 1 million dans mon compte. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a comme ça. Quand j'ai dépassé le seuil maintenant, j'étais dans tous mes comptes, compte bancaire, Orange Money, MTN. Et même si je vidais, je faisais quelque chose avec, une semaine après, deux jours, trois jours, ça revient. Je vide, ça revient. C'est comme ça que tu connais que ton... On a tous un seuil énergétique. Donc, dans cette saison de ma vie, je vais équiper. Il y en a parmi vous, peut-être côté relation, tu n'as pas de soucis. Tu es avec quelqu'un qui est... Toi et ton gars, pas de soucis. Donc, ce seuil-là, tu l'as validé depuis longtemps. C'est un gars qui t'encourage, vraiment, vous n'avez pas de tension dans le couple, mais côté finance, ça ne va pas. Peut-être côté discipline, ça ne va pas. Donc, vous devez comprendre que vous devez commencer à vous équiper. C'est dans ça qu'on est en train d'entrer. Maximum fin mai, il y aura les groupes qui seront faits. Vous payez votre abonnement, vous savez que vous recevez constamment les enseignements là-dessus. Et vous faites. Merci à ceux qui ont partagé mon direct. Merci à ceux qui ont aussi qui sont abonnés. Voilà. Juju, bonjour. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Tu tombes sur quelque chose qui t'intéresse, tu t'abonnes. Tu likes, tu t'abonnes et tu partages. Très important. C'est comme ça qu'on encourage la personne qui fait la vidéo. Donc, je parlais tout à l'heure de... Si tu devais recommencer... Si tu peux écrire ce que je vais dire là, tu notes ça quelque part dans ta tête, dans ton téléphone, devant ta maison. Rien ne se perd dans cette vie. Supposons une époque de ta vie, tu as aidé un homme, tu as travaillé pour un ministère, tu as travaillé pour... bon, merci d'être apporteur. Tu vois, non? Et tu as investi 5 ans de ta vie avec un homme. Tu l'as aidé, il a construit sa maison, mais sur les papiers, il a mis son nom à lui. Et là, tu as l'impression que si le mariage se brise, ou bien ça s'est brisé, et tu n'as rien eu. Tu n'as pas perdu. Un jour, la femme d'un milliardaire est venue me voir en 2022. Elle me disait, je l'ai aidé. C'est un monsieur qui a une grande entreprise ici, là. Il fabrique les objets, les produits de ménage. Et elle me dit, ça fait 19 ans qu'on a lancé les business ensemble. C'est moi qui ai tout fait. Voilà. Maintenant, il est arrivé au niveau où il est là. Et en 2018, il a découvert qu'elle le trompait. Je crois que c'est le chauffeur, je ne sais pas trop quoi. Et quand tu vois même le visage du monsieur là, tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas compétent. C'est pas un faf. Il n'est pas faf. Donc, je ne sais pas pourquoi il dérange sa femme. Tu as l'argent, tu n'es pas faf. Mais il faut que ta femme se cherche. Pourquoi punir une go? Tu sais que tu n'es pas femme. Tu pars dehors, tu te satisfais avec les autres groupes, les jeunes que tu aimes là. Maintenant, tu empêches ta femme. Ah, c'est la méchanceté à l'état pur. Les hommes là ne me fusillaient pas. Donc, elle m'a montré elle est venue pour la consultation. Je lui ai dit vraiment, tu sais, madame. Connais toute la procédure. Tu as les accès aux banquiers. Les banquiers connaissent que tu es madame telle. Tu penses que si tu construis un business maintenant, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer les contacts. Tu connais la procédure. L'énergie que tu as mis pour que le gars se construise, tu n'as pas perdu. Elle pleurait. Je ne sais pas si je peux. Je disais à la femme que s'il devait la coacher, il devait trop la gronder. Après ça, il m'a fui. Il devait beaucoup la gronder.
Je suis où au Cameroun? Je suis à Dedo. Actuellement, je suis à Dedo. Je suis chez moi à Dedo. Et je dis, là, ma chambre est. Je suis venu dans ma chambre. Comme vous voulez, tout me voit là. Si tu peux canaliser l'énergie que tu as mise pour aider d'autres personnes, tout ce que tu fais, c'est comme une semence. Et au temps opportun, l'univers va te bénir. C'est pour ça que même si tu prends quelqu'un qui n'a encore rien semé, tu te dis, bon, il faut que je l'aide. Tu le sors de la pauvreté, tu le sors de son quartier, tu l'habilles, tu fais tout, tu l'arranges, tu donnes la voiture, tu donnes ceci. Soit c'est quelqu'un qui va perdre ce que tu lui as donné, soit ça va se gâter, soit on va voler, soit il va casser, il ne va pas remplacer. Et dans peu de temps, il sera encore au même point de départ. Il sera là où tu l'as trouvé là. J'avais une personne comme ça avec laquelle je suis sortie dans le passé. Chaque fois qu'on se séparait, c'est la personne simplifiait trop ce que je faisais dans sa vie. Trop. Et je lui disais toujours, je lui donnais les étapes dans peu de temps, attendez pour les étapes. Je lui disais que tu as déjà besoin que tu l'encourages, il commence à faire un, deux trucs. Après, quand vous engueulez là, il te dit, ah, tu crois que tu as même fait quoi dans ma vie? Tu vois, il te simplifie. Il dit, ok, comme je fais rien dans ta vie, non. On se sépare. On se sépare. Une fois on se sépare, on a fait 3 mois de séparation. Il est retourné faire ce que quand il est connu, il faisait. Tu vois. Ton esprit n'est pas encore développé. C'est pour ça que même si tu avais, que tu as construit, quelqu'un est venu l'a pris. Patricia, tu m'as vu dans ton rêve. Oui, j'ai bien beaucoup voyagé cette nuit. J'ai beaucoup voyagé. Le voyage sur moi la nuit, c'était grave. J'ai guéri aussi beaucoup de personnes. Donc même si tu as construit quelque chose, tu as eu, quelqu'un a porté tes 20 millions et est parti avec. Oh, ne te dérange pas, chérie. Hein? Voilà. Vous voyez. La musique va bientôt commencer. C'est là. Je vais seulement aller en bas faire le direct. Je sens qu'ils ont déjà testé les baffes. Oh, des dos. Bientôt, vous mettez la musique. Nous ici, c'est là. 3 heures, la musique est là. Donc, comme je disais, allez sur TikTok, s'il vous plaît. Allez sur TikTok. S'il met la musique là, c'est que Facebook va m'empêcher de mettre ça sur YouTube. Allez sur TikTok, ok? Allez sur TikTok.